Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette du yoyo tunisien. En fait, c'est un petit gâteau rond avec du miel qui plaît aux grands comme aux petits. On peut le manger au petit déjeuner ou bien au goûter. C'est facile à faire, tout le monde il peut le faire. En fait, pour les ingrédients, on a besoin d'un kilo de farine, 300 g de sucre, 6 œufs, un verre d'huile, un demi-verre de fleur d'oranger, une petite, toute petite pincée de sel, deux sachets de levure chimique et deux sachets de sucre vanillé. Sinon, là, moi, j'utilise deux sachets de levure chimique saveur vanille. Pour les ustensiles, on a besoin d'un rouleau pâtissier, un fouet et deux emporte-pièces. Pour commencer, on commence toujours par les liquides. Là, je vais commencer par les œufs. On va les casser une par une. On a besoin de 6 œufs pour 1 kg de farine en fait. Voilà, j'ai cassé les œufs. Après, je rajoute le sucre. 300 g de sucre. Et là, on mélange bien. On n'a pas besoin de grand-chose pour réussir ce gâteau. Faut bien, 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 bien mélanger. On peut utiliser aussi un fouet électrique. Sinon, vous faites comme moi, manuellement, c'est bon. Là, je rajoute l'huile, un verre d'huile et presque un demi-verre de fleur d'oranger. Une toute petite pincée de sel. Et là, c'est bien mélangé. Tous les ingrédients. Là, c'est bon. Je mets les deux. Levure chimique fait en même temps sucre vanille. Sinon, on peut utiliser deux sachets levure chimique et deux sachets sucre vanille. Après, on rajoute la farine. On n'utilise pas le kilo, on reste, laisse un tout petit peu parce que ça dépend du type de farine. Parfois on a besoin d'un kilo, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Ça dépend les œufs s'ils sont gros. Souvent on utilise plus d'un kilo. La farine, le type de farine aussi, il y en a. Le type de farine qui absorbe bien. Il y en a d'autres moins. Là, je rajoute. Et je continue avec la main. Finir de mélanger avec la main. Il ne faut pas la pâte qu'elle soit trop dure ni trop moelleuse en fait. On mélange pas comme si on fait une pâte pour le pain.
pour qu'elle soit un peu moelleuse, pas trop dure. Là, je rajoute un tout petit peu de farine parce qu'elle est collante. Voilà, j'utilise presque le kilo de farine en fait là. Là, vous voyez, elle est bien là. Vous voyez la pâte comme elle est. Elle n'est pas dure, elle n'est pas trop moelleuse. Vous voyez comment elle est. Comme ça, elle est facile à travailler après. Voilà notre pâte, maintenant elle est prête. Là, je vous montre comment elle est. Vous voyez la texture qu'on obtient. Et je vais commencer à façonner. Je vais vous montrer. J'ai besoin d'un peu de l'huile. En fait, je l'utilise pour bâillonner le plan de travail. Comme ça, ça ne colle pas. On n'utilise pas de la farine, sinon ça va sécher notre pâte. Là, on prend un peu. Comme ça. On va bâillonner notre plan de travail avec de l'huile. Et on va étaler notre pâte avec le rouleau. L'épaisseur à peu près 3 mm. Donc après, il ne faut pas que ce soit trop épais ni trop fin. Voilà. Et là, vous voyez, on fait des petits yo-yo. Sinon, si vous n'avez pas ça, ben, vous pouvez utiliser un verre. Par exemple, un verre comme ça, ou même un rond plus petit. Et au milieu, pour faire le rond au milieu, vous utilisez un bouchon ou quelque chose pour faire des petits trous comme ça. Voilà, vous obtenez un tuyau comme ça. Ben voilà, on finit comme ça. On fait les petits ronds comme ça, jusqu'à ce qu'on finisse la pâte. Et après, on va je l'ai fini de façonner. Maintenant, je vais passer à la cuisson. Je mets l'huile à chauffer. Il faut qu'elle soit bien chaude. On va passer à la cuisson. Il faut faire attention. L'huile, elle est bien chaude. Là, il faut le déposer délicatement. Voilà. Il faut l'huile qu'elle soit bien chaude. Voilà, on va le retourner. Quand vous voyez que ça commence à dorer d'un côté, vous les retournez. C'est facile. Après, je vais vous montrer le miel. C'est facile à faire aussi. Voilà. Vous voyez, ça commence à dorer. Là, je vais le retourner. Hop. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire, ni à couler. Et la cuisson aussi, ça ne demande pas beaucoup de... Voilà. Après, je vais le tremper dans du miel. Je vais vous montrer d'ailleurs le miel que j'ai préparé en avance. C'est en fait c'est un genre de sirop. Pour un kilo de sucre, je mets un litre d'eau et je laisse... cuire pendant à peu près 20 minutes, 25 minutes.
Et j'utilise un demi de citron aussi. Vous voyez, vous obtenez cette texture-là et cette couleur dorée. Après, on va tremper notre petit yoyo dedans. Là, ils sont bien dorés des deux côtés, vous voyez, là, des deux côtés. Un peu. Là. Hop, un peu. Là, c'est bon, je vais les sortir. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Je vais montrer le résultat à la fin. Voici nos yoyos. Là, j'ai fini de les cuire. Maintenant, je vais les tremper dans le miel. Je vous avais déjà expliqué, le miel, en fait, pour 1 kg de sucre, 1 litre d'eau et un demi de citron. Et on le laisse cuire pendant 20-25 minutes jusqu'à ce que vous obteniez, en fait, cette texture-là et cette couleur-là. Je vais tremper mes yoyos dans le miel. Voilà. Faut pas le laisser longtemps dans le miel, sinon c'est comme une éponge en fait. Après, ça absorbe trop de miel et ça devient trop moelleux. Là, vous pouvez décorer avec un peu de sésame.